Yo les gars, nouvelle vidéo. Donc du coup, le principe de cette vidéo, ça va vous expliquer comment on monte sa CP de famille, pour quelles raisons, pourquoi et comment je le fais. Donc là actuellement, je suis à la fin de la vidéo, mais c'est le début de la vidéo. Donc l'objectif, c'est d'arriver à peu près à 130K de FC, de famille. Donc là, je suis à 136 606. Donc je pense que j'ai largement atteint ce que je voulais atteindre. En sachant qu'avec mon main, donc c'est-à-dire que mon compte qui est 31K, je suis à 155 000. Donc là, avec mon petit compte, j'ai réussi à rattraper la CP famille de mon gros compte. Pas loin en tout cas. La seule nuance, c'est qu'en gros, sur mon gros compte, sur tous mes petits persos qui ne sont pas dans le top 6, je leur mets des accessoires soit jaunes, soit violets. Déjà d'une, pour les garder sur les personnages en cas où il y a une nouvelle collection qui sort, qui demande des accessoires jaunes ou violets. Comme ça, j'ai juste à les retirer de mes petits persos. Ça, c'est la première strat. Petit tips. Et secondo, parce que du coup, moi, je focalise au maximum pour essayer de monter mes accessoires plus 4, plus 5 roses. Donc du coup, je pars du principe que mes 6 premiers personnages sont très importants, et mon main aussi, et que tout le reste, c'est un peu moins important. Et donc ça va être la même stratégie avec ce compte. Donc voilà, là je suis arrivé à 136 600, 660, ce qui actuellement va me donner 3800 LT, donc plus de stockage dans mon sac, 160% d'XP de combat, donc c'est énorme, 660, 160% d'XP, c'est quasiment un hot time. Dark Energy 16% pour augmenter plus vite votre level de Black Spirit, donc ça aussi c'est très important. Et ensuite le storage slot 5 plus 50, donc ça il me semble que, alors je sais pas si c'est dans le sac ou dans la banque, bref. Donc très important la FC de famille déjà dans un premier temps pour ça. On voit que je suis arrivé baron quand même, alors que je suis pas du tout baron en termes de FC avec mon main hein. Là je suis tac 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 current, je suis warrior ou je sais plus c'est quoi exactement, ça doit être ça, mercenary, voilà. Warrior, mercenary. Sachant que Baron, quand même, c'est quand même top 5000. Donc, vous voyez la nuance entre ma FC normale et ma FC de famille. Donc, vous pouvez gruger sans trop payer. Il faut arrêter de croire que ça coûte trop cher la FC de famille. Pas du tout. Donc, là, cette vidéo, vous allez partir de où j'en étais quand j'étais à 20K avec ce perso il y a une semaine, 2 semaines, et à combien de FC de famille j'étais. Et vous essayez de comprendre ma logique. Voilà. De focus vos 6 premiers persos. Et dans cette vidéo, à la fin, vous verrez que je monte le sage dans la même logique qui est sortie cette semaine pour finaliser ma FC de famille. Et maintenant, je suis plus tout obligé de m'occuper de ma FC de famille. Donc ça, c'est la première, ça, c'est vraiment le premier point. Ensuite, qu'est-ce que peut vous apporter la FC de famille autre que tous ces buffs? Bien entendu, ça va être Glory. Glory, clairement, ma gate, donc c'est-à-dire votre porte, elle a 100. 36 000, c'est 106 points de vie. Donc vous pouvez partir facilement déjà avec votre top 6. Vous avez atteint les 97 000 avec votre top 6. Donc vous pouvez faire la dernière rift, le dernier niveau. Et en plus de ça, vous avez quand même une gate qui tank pas mal, en sachant que vos personnages sont un peu plus faibles que la moyenne comparé à des mecs qui ont des gros CP. Donc ça va vous permettre d'essayer de faire des 8 ou des wave 8, wave 9, quasiment wave 10. C'est faisable. C'est faisable. Je sais qu'en tout cas Wave 9 et Wave 10, Wave 8 et Wave, donc les. C'est ça, ouais, Wave 8 et Wave 9, je le fais souvent. Alors qu'avant, avant d'avoir monté toutes ces CP de famille, avant, j'allais pas plus que le 5 ou le 4, tu vois. Et du coup, bah, c'est dommage qu'au final, tu perds énormément de ressources. Ça, c'est une des choses importantes. Troisième chose importante, bah, c'est pour le ranking de la guilde. Bien entendu, ça nous fait monter en classement de guilde. Donc on a un meilleur placement, un meilleur positionnement. Donc bah, du coup, peut-être que les gens, ça intéresse plus de rentrer dans une guilde qui est dans un classe qui est dans le top 10 ou dans le top 20 plutôt que dans le top 30. Donc ça, c'est une autre chose. Et la dernière chose, c'est pour vos constellations. Constellations, très important. Quand vous partez en constellation, il vous faut votre top 6. Donc mon top 6, moi, il fait 106 040. Très très important. Et autre chose, pourquoi on monte la CP de famille? Les tours d'entraînement. Les tours d'entraînement, il faut que vous essayiez d'arriver au dernier des paliers. Et au dernier des paliers, alors c'est pas celui-là, c'est l'autre. Vous avez quand même énormément de rewards à choper. Vous avez un peu de l'arme de DS. Vous avez quand même des stones. Enfin voilà, c'est très important d'essayer. Moi apparemment, je galère. Je galère à partir du niveau 54 apparemment.
Donc voilà. Là, j'ai même pas mis mon top 6 dedans. La logique voudrait que je mette mon top 6 dans le Hadoum. Donc là, je l'ai mal fait. Pour aller le plus loin possible en difficulté pour avoir plus de rewards. Donc d'ailleurs, ça sera à changer. Sera à changer. Voilà, donc du coup, je vous laisse sur la suite de la vidéo. Voilà, vous avez un peu le pourquoi du comment on monte la F7 Family. C'est très important, voire je dirais un peu plus important que la CP du main. Parce que du coup, au final, si votre CP de famille elle est en pali, elle est en retard par rapport à votre main aura du mal à farmer tout ce qui est tour d'entraînement, glory, constellation, etc. 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 Même pareil, quand vous êtes dans le désert, il y a des temples qui vous demandent de prendre vos 6 meilleurs persos. C'est pareil, c'est le même concept. Du coup, il faut absolument en priorité monter ces 6 persos correctement. Bien entendu, votre main, c'est le numéro 1 et les 5 autres persos. Et après, ensuite, le monter un peu moins sérieusement, mais toujours en essayant d'être sérieux dans la logique, sans user trop d'argent dans tous vos autres persos. Voilà. Donc là, on commence tout juste à essayer de comprendre la logique. Donc là, je fais un peu de nettoyage dans mon inventaire. Alors, du coup, je suis en train d'enregistrer ma voix par-dessus, parce que du coup, j'ai des problèmes de droit. Donc là, en gros, j'équipe deux roses, ce qui est logique. J'équipe deux roses parce que ce stuff-là, on est vraiment sur les 6 premiers. Donc là, je pars sur ma logique de stuff au maximum. Les 6 premiers qui vont être dans tout ce que j'ai appelé juste avant, qui était très important. Donc le main et les 5 premiers. Donc là, je suis en train de j'awakening, bien entendu, le stuff rose qu'ils ont donné. Est-ce qu'ils ont donné du stuff rose? Donc, étant donné que je suis déjà full rose, autant les équiper sur mes petits personnages. Donc les 6 premiers. On a Awakening tout ça. Voilà, on a Awak. Donc là je fais un check pour voir s'il n'y a pas d'autre chose à Awak. Visiblement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre chose à Awakening. Ok, très bien. Donc là je bug à mon avis. Ok, donc il n'y a pas d'autre chose à Awakening. Très important. Je ferai une vidéo là-dessus sur. Oula, j'ai eu un gros freeze. Là, c'est le freeze du futur. Gros freeze. Ok, on récupère ce qu'on peut récupérer sur les collections. Les collections, c'est très important. Il me reste, je crois, 3, 4, 5 collections à faire sur une dizaine, une quinzaine. Encore une fois, je ferai une vidéo sur le rattrapage. Donc, c'est-à-dire finaliser le 0 sur 8, le 6 sur 7, le 2 sur 12, un truc dans le genre. Non, 7 sur 8, ça va aller bientôt finir, 6 sur 7. Donc, ça va, en fait, quasiment toutes mes collections qui sont quasiment finies. J'en ai 2, 3 encore à faire. Donc là, j'essaie de gratter le plus de CP sur ce petit compte qui est la DK. Donc on peut voir que j'ai la sushi, j'ai les deux glyphes roses. Normalement, en théorie, les reliques roses, je les mets que sur mon top 6. Tout le reste, c'est soit relique orange, soit relique rouge, selon ce que le jeu donne. Hein, parce qu'encore une fois, c'est des ressources que le jeu donne. J'équipe le plus de possible deux cristaux de FC. Donc là, voilà, je prends tout ce que je peux trouver, hein, genre du violet. Non, vraiment tout ce que je peux choper. Là, j'avais pas beaucoup de coffres de cristaux. Donc j'équipe. Bah, c'est con, mais j'équipe du violet, quoi. C'est triste, mais ouais, malheureusement, on en est à là. J'équipe tout mon stuff en cristaux violets. Tu vas choper 5 FC, 5 FC, 5 FC, 6 FC, 7 FC, 5 FC, 5 FC, etc. 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 Donc là, j'équipe tout par la logique. Hop. Ensuite, je regarde dans mon inventaire s'il y a des choses. Donc je vois qu'il y a pas mal de stuff rouge que j'ai commencé à monter tête, tri, plus 40. Je mets dans mon inventaire tous les cristaux violets. Plus 5, plus 6, plus 7 FC. Comme ça, pour mes autres personnages, je les aurai directement dans ma banque. Voilà, je pense là j'ai fait le tour. J'ai un accessoire rouge, 4 accessoires orange. C'est un peu chelou d'ailleurs, comme compo, mais bon voilà, pourquoi pas. Ce qui me reste à faire là, en théorie, c'est de fusionner du coup toutes les merdes.
Donc voilà, on fusionne, on fait du nettoyage. Je fais les bruitages parce qu'il n'y a pas de son. Du moins, il n'y a que ma voix. Donc pourquoi faire du ménage? Parce que du coup en fait je suis vraiment à la rue en termes de cristaux. Donc là je sais pas si vous voyez, hop hop, je pense qu'à mon avis je vais mettre soon une pause. Ou pas. Je mets pas de pause. J'aurais dû mettre des pauses. Vous voyez là c'est une petite erreur de ma part. On a vu plein de 5 CFC qui sont passés. Ok, je dis pas. Hein. Là je suis en train d'essayer de craft du jaune. Mais j'aurais dû peut-être mettre des pauses. Donc là j'arrête mes conneries je pense. Et je vais équiper du coup un 7 d'épée à la place d'un 5 pour gagner 2 CP, tu vois. C'est vraiment histoire de quoi. Donc là, j'essaye d'un peu d'optimiser. Lui, il est à 7. En règle générale, de toute manière, les violets, comme on peut le voir, je suis en train de l'expliquer, c'est que tout ce qui est violet AP, c'est toujours à 7, 6 ou 7. Et tout ce qui est d'épée, c'est en dessous. Donc c'est pour ça là je remplace un 5 par un 8 par un 5, je remplace un 6 par un 5. Bon voilà, je pense que sur ce perso, il n'y avait plus grand chose à faire. Je suis à combien? Je suis à 16 000. Voilà, à cette époque-là, en tout cas, j'étais à 16K, ça me paraissait plutôt correct. Mis à part. Hop. Alors du coup, j'ai mis l'accessoire rouge en banque. Ou pas? Ok. Je voulais mettre l'accessoire rouge en banque parce que je sais pas si vous voyez, mais là en termes de résonance, avec l'orange, bah j'ai plus. Avec 5 oranges, j'ai plus qu'un rouge. Donc le rouge, je le dégage. Je suis full accessoire orange et j'ai 7 de FC en plus à la place. Avec le rose, c'est pas le cas. Avec le rose, tu prends plus de FC que la résonance. Mais avec le rouge orange, ça ne fonctionne pas. C'est mieux d'avoir les 5 accessoires orange. Voilà, j'ai fait mon petit stock pour les prochains persos. Et je pense qu'il me manque un truc. Je sais pas si j'arrive à. Je capte le truc depuis tout à l'heure là. Parce que je vois que je fais plein de choses. Mais. Voilà, enfin. Enfin, on y arrive. Ok. Je récupère toutes les ressources qui peuvent faire des pristines. Vu que je vais être en mode pristine pour les prochains persos, autant le faire tout de suite, ce qui est logique. Très très logique. Donc je pense de souvenir, ça me faisait 90 pristines environ. Ah non, pas du tout. Pas du tout. J'ai une mémoire de merde. Ok, très bien. Donc on est sur du 361. Normalement, ce truc, ça donne pas ouf. Je pense que ça va en donner une vingtaine. Voilà, une petite vingtaine. Et après. Après ces pierres, après les pierres violettes, tout le reste, le bleu, les pierres bleues et vertes, les petites pierres que je n'ai pas mis, elles donnent, il t'en faut genre 200 000 pour, ou 300 ou 500 000 ou 1 milliard, tu vois, pour avoir une pristine, donc c'est ridicule, ça sert à rien de les mettre dedans. Donc là, on est sur du. Qu'est-ce que tu fous, frérot? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je m'arrête? Ah, je m'énerve moi-même. Ah, je sais ce que je fais. En fait, j'avais fait l'erreur. Pour les armes principales, de pas garder de Spirit Bound. Là, j'en garde 5 000, ok. J'en mets un peu de côté, c'est juste histoire pour monter le stuff plus 40. Parce que si t'as plus de pierres pour monter le stuff plus 40, bah, mes autres persos que je vais monter pour la FC de famille, je vais galérer. Et du coup, j'ai fait une erreur sur les Pristine Weapon parce que j'ai pris toutes mes ressources. Et je les ai toutes balancées d'un coup en me disant bah c'est bon quoi. Mais ça c'est le truc que tu fais quand t'es HL et que t'en as rien à foutre en fait. Et que t'as tous tes personnages qui sont montés à 70 pour ta FC de famille. Sauf que là bah là j'ai fait la petite erreur. Ok, c'était une erreur d'inattention. J'ai voulu aller vite. Et en fait bah. Bon c'est pas très grave, hein. C'est pas la fin du monde. Hop. Le classique. Pour passer 4. Sans parchemin, sans restauration. Ça te coûte un peu plus en pristine. Ça te coûte un tout petit peu plus en pristine. Là, je vois que ça m'énerve.
Qu'est-ce que tu fais? Là, je vois que ça m'énerve, donc je vais mettre des 50%. Ouais, voilà. Enfin, c'est trop long, donc... En fait, l'idée, c'est pas que tu passes 3 heures... C'est pas que tu passes 3 heures à faire... ta FC de famille, quoi. Déjà que ça prend énormément de temps, on va pas se mentir. Vous allez voir, la vidéo, elle est longue. Donc, si vous regardez de A à Z la vidéo, bah déjà, d'une, merci. Lâchez un pouce bleu et abonnez-vous. Je dis en avance, en cas, voilà. Donc là, j'ai eu de la chance ou pas. Parce que je crois, je sais pas, mais j'ai 50% ou pas. Là, c'était assez rapide. Voilà, on n'en parle plus. On store. On vérifie. On prend les résidus. Et on pose les enchantements. Les enchantements. Oui. On va enchanter uniquement l'awakening. Il n'y a que le torse, donc le torse, l'arme principale et l'arme secondaire qui donnent des FC sur les enchantements non awakening. Donc les premiers enchantements, les deux premiers enchantements. Je sais pas si je vais les faire là. Du coup, si, effectivement, je les fais parce que j'ai assez de ressources. J'ai énormément de ressources. Donc voilà, je me prends pas la tête, j'ai un 11, il spawn direct, je suis content. Je mets en règle générale 5-6, tu vois, je me prends pas trop la tête. Je mets un enchantement assez basique. Vraiment, vraiment assez basique. Bah là, je prends 4-13, tu vois, alors que je voulais du 5. Vraiment, c'est. Vous voyez sur le casque, il n'y a rien. Il n'y a pas de FC, donc ça sert strictement à rien d'essayer d'enchanter. Tout simplement. Et là, on remet les ressources dans la banque. Et voilà, c'est torché, c'est terminé, on n'en parle plus. On est parti sur une sushi qui est Awakening 2. On a donc du coup 2 deux reliques roses. Là, je sors des glyphes. Parce qu'il me semble que voilà, j'avais des trous. Donc, comme ça, au moins, je remplis mes trous. Hop, hop. Du coup, on voit que j'ai 4. Je dois avoir au moins 6 trous. Je m'en occupe ou pas? Non, j'ai plus de glyphes, donc je m'en occupe pas. Je passe sur mon deuxième perso, mon troisième personnage, pardon. Il y a le main, il y a la DK, donc c'est mon deuxième personnage dans mon top 6. Là, je passe sur mon troisième personnage dans le top 6. Donc là, je fais vraiment d'abord, dans un premier temps, mon top 6. Et vous, moi, je les classe, vraiment, je les classe. Mon main, mon top 1, mon top 2, mon top 3, mon top 4, mon top 5. Je les classe alignés, comme ça tu les as dans la première liste. C'est toujours eux que tu vois en premier. Que ça soit pour n'importe quel comment dire, événement que tu fais. Comme ça tu les as direct tout de suite, tu vois. Donc là on voit qu'il est full rouge, full tête, full accessoire rouge qui. Ces accessoires rouges étaient donnés. Donc j'ai pas grand chose à faire à part juste équiper des cristaux. Voilà, c'est pas très très compliqué. Là en fait c'était un perso que j'avais déjà fait, mais du coup bah je repasse dessus pour la vidéo, et même ça m'arrive de repasser sur mes essais de famille une fois par mois de temps en temps. Ou quand tu montes un perso en règle générale qui vient de sortir, tu le montes 70 et tu fais un petit check de ta CP de famille, est-ce que du coup bah t'as récolté des ressources que peut-être que tu n'avais plus quand t'avais monté ta CP famille. Et là du coup bah ces ressources-là tu peux les réutiliser, enfin les nouvelles ressources tu les utilises pour monter. Ou sinon, en termes d'enchantement, d'accessoires rouges, il y a tout qui est up. Donc là, j'ai pas besoin de faire beaucoup de boulot. Voilà, j'ai juste dû poser tout simplement mes cristaux violets, comme je l'expliquais. J'ai tous les enchants. La sushi, les reliques, ça me paraît tout bon. Je passe à autre chose. Hop. Allez, on passe au quatrième, s'il te plaît. Ou au sixième, d'accord, pourquoi pas. Je suis passé du troisième au sixième, pourquoi pas. Dans tous les cas, ça reste dans le top 6. Parce que je pense qu'il y a une histoire de fait que certains personnages, en gros, ont du stuff que je dois récupérer pour poser sur d'autres personnages. Donc là, c'est pareil, c'est plutôt pas trop dégueu. Full tête. J'ai pas les enchants des accessoires basiques, mais j'ai que les awakening. Est-ce que je vais faire les enchants? Là, je regarde un peu les enchants. Je regarde s'il y a des cristaux. Il y a les cristaux, il y a les enchants. On regarde s'il y a des glyphes, il y a les glyphes, il y a la sushi, très important la sushi. Donc là j'ai pas besoin de stuff, j'ai pas besoin de sortir mon stuff rouge, j'ai énormément de stuff rouge en banque. Donc là j'ai pas besoin en fait de faire d'efforts sur ce personnage, sur le sixième. Ensuite on va aller sur le Fletcher qui est le cinquième. Hop.
Même concept, vérification de savoir si je peux monter un peu mon top 6 ou pas. Donc là, que des accessoires orange. On peut voir qu'il n'y a pas de cristaux. Première réflexion, pas de cristaux. Et surtout, ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas de totem. Il n'y a pas de totem rouge. Donc je sais pas si vous avez vu, j'ai sorti un truc pour faire le totem rouge. Je prends direct les cristaux que j'ai mis en banque tout à l'heure, du moins de ce que j'ai pu avoir. Je prends quand même les coffres de cristaux violets parce que ça suffira pas, 5-6 cristaux. Et encore, rebelote. Clink, clink, clink. Et tu continues tout le temps, tu fais ça. Non. Voilà. Allez, on ajoute tous les accessoires, tous les cristaux violets pour la CP. Ça, je remets en banque pour les prochains. Ensuite, je fusionne le surplus, one by one cette fois-ci. Parce que je suis en galère. Je suis en galère de cristaux. Donc du coup, je commence à essayer de gratter des cristaux manuellement pour les prochains persos. Ok, ça c'est bon. De manière, j'ai quasiment plus de coffre, ou je crois que j'ai plus de coffre. À ce moment-là de la vidéo, il me semble que j'ai plus de coffre. J'ai plus de coffre jaune, orange, etc., etc. Parce que tous mes coffres orange, tous mes cristaux orange, j'essaie de les fusionner pour avoir des cristaux rouges. Pour avoir 15 cristaux rouges et pour pouvoir faire des cristaux roses, donc le main est plus important que mes secondaires. Donc je préfère équiper cette merde à mon top 6 et à tous les autres. Plutôt que de sacrifier mon main. Là-dessus, par contre, sur les cristaux, moi, c'est focus main. Voilà, je suis à 15 677. C'est pas trop dégueu. Le top 1 de mon top 10, bon, le premier de mon top 6, il était à 16 000. Tu vois, t'es pas loin. Hop, là, je vois qu'il y a le totem. Là, je refais une petite vérif. Lui, il est à 15 900, 15 900, 15 700. Ok. Donc là, je pense que je vais aller faire le totem rouge. Je suis quasiment sûr. Ok, c'est bien de bugger Nas, mais il faudra avancer. Yeah, find upper. Ils sont quasiment tous à 16K. J'en ai deux à 16K, un à 15K 900 et l'autre à 15K 800. Et lui, il est un peu en dessous, il est à 15K 600. Donc sur le moment, sur mon top 6, ça me dérange d'avoir un perso qui est pas au même niveau que les autres. Donc forcément, bah, je finalise le totem pour aller essayer d'avoir quasiment 16K pour que mes 6 persos principaux, enfin du moins les 5 persos principaux, avancent à peu près au même niveau, vu que c'est le top de ma famille. Donc là, il me semble que je vire les enchantes, t'es obligé de toute manière. T'es obligé pour faire du rouge, t'es obligé de virer les enchantes. Hop, 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 on n'en parle plus. Et du coup, on a le totem rouge et on passe et on passe. Je pense qu'on passe quasiment à 16K. On passe quasiment à 16K. Donc là, il a combien? Il est à 15 737. Donc je prends 100 FC. Donc le premier est à 16 348 avec la sushi. Et les deux. Après, si vous n'avez pas ça, c'est pas grave, hein. Vous mettez du full rouge comme les autres. Parce que lui, j'ai toujours un perso qui a du rose. Lui, il est full rouge. Lui, il est full rouge. Et lui, il est pas full rouge, mais c'est pas grave, il est full accessoire orange. Dans l'idée, c'est voilà. Déjà, le stuff, c'est obligatoirement full rouge dans votre top 6. Pourquoi je bug comme ça là? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ah oui, alors j'expliquais qu'il fallait craft des outfits et des chest fit. Donc sur mon top 6, ils ont pas tous les outfits. Donc c'est-à-dire les skins, on peut le voir. Hein. Sur la lettre T et la lettre G, on voit. Hein, sur TG, j'ai pas tous les outfits. Sur celui-là, je commence à sortir les outfits, ce qu'ils en ont donné. Sur cet event-là, ils en avaient donné. Donc je me prends pas la tête, hein, j'équipe direct. Hein.
Hop, 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 j'applique les stats et l'apparence. Boum. Voilà, 21, 21, on est bien. Donc là, je devrais monter quasiment à 15 800, je dirais. Est-ce que j'exagère? 15 800, t'as plus 40, plus 40. Ouais, t'as un plus 80 quand même. Donc voilà, il monte. Le Fletcher et l'archer, voilà, il monte à. Je sais pas si vous avez vu, 15 821. Voilà. 15 755, 15 797, 16 349, 16 348. Donc voilà, on est vraiment sur l'idéologie des 6 premiers qui sont à 16K avec mon main qui était à 20K à l'époque. Enfin, maintenant il est à 23K bientôt. Mais voilà, sur cette vidéo, sur cet explicatif, j'étais à 20K. Je voulais vraiment vous expliquer comment monter la CP. Donc là, on peut le voir. Donc mon top 6 tourne à 16K. Maintenant, on check un peu la plèbe, un peu. Hein. On regarde un peu la plèbe. Donc franchement, pour de la plèbe, c'est pas dégueulasse. Hein. Là, on peut voir que sur ce personnage, je me rends compte que sur la Nova, il y a 5 accessoires rouges. Donc ça paraît logique tout de suite d'aller récupérer les 5 accessoires rouges et les mettre sur le seul personnage de mon top 6 qui en a pas. Donc c'était le Fletcher, je crois, ou l'archer qu'on vient de faire à l'instant. Donc premier réflexe, hein, je réfléchis même pas, je récupère les accessoires rouges sur un personnage, merde, sur un personnage qui n'est pas dans mon top 6 pour mettre l'équipement le plus fort sur mon top 6. Je sais que je me répète, hein, mais voilà. Donc là, je récupère les accessoires rouges, hein, ça paraît logique. N'empêche que pour des persos qui sont dans la plèbe et qui sont pas dans mon top 6, ils ont une sushi. Là, elle a une sushi 30 déjà, et on voit qu'elle est full tri, donc elle est full 3 rouge. Donc c'est pas dégueu, hein. Donc là, je récupère très rapidement ce qu'on peut voir, les accessoires orange awakening que j'avais stockés dans mon camp, pour que ce perso, j'y touche plus, et je me casse, tout simplement. Voilà, c'est ce perso, j'y touche plus. Pour moi, il est assez correct. Donc je pense que je vais retourner. Alors, je sais plus c'est lequel, je crois, c'est le Fletcher. Ouais, c'est le Fletcher, on vient de passer dessus. C'est le Fletcher, il est full. Les deux là, ok, il y a la magicienne aussi. Il y a l'invoqueur. Donc je pense que je vais poser tous les accessoires rouges sur la magicienne, sur l'invoqueur. Et prochainement, quand ils redonneront 5 accessoires rouges ou des accessoires à la con, bah pareil, le personnage qui a 5 accessoires orange Awakening, je vais les récupérer et je vais les mettre sur la plèbe. Etc, etc, etc. Donc oui, j'en avais, là j'en avais deux apparemment. J'avais deux anneaux rouges. Ça veut pas. On stocke pour les autres persos. Les Orange Awakening déjà enchantés. Quand vous avez Awak le stuff et que vous les avez enchantés, les anneaux, ça sert à rien de désawakening et d'enlever les enchantements. Vous pouvez le faire si vous voulez, si vous avez vraiment besoin de craft un accessoire rouge pour avoir une page pour craft du rose. Ça peut être une idée, je l'ai déjà fait. Personnellement, au niveau du jeu dans lequel on est, je vous déconseille de faire ça. Ça sert plus à rien. Vu que maintenant on a la brèche pour farmer tout ce qui est page. La dernière mise à jour, quand vous lootez un livre, vous pouvez détruire votre livre qui vous donne entre 20 à 36 pages. Donc maintenant, il n'y a plus vraiment d'intérêt à stocker comme un gros sac les accessoires orange pour essayer de les crafter avec 15, d'aller récupérer. Moi, ce que je faisais à l'époque, c'est que vraiment j'allais récupérer tous les accessoires de tous mes petits persos, tous les accessoires orange. J'enlevais les awaks, j'enlevais les enchants et je craftais le maximum d'accessoires rouges, pardon. Pour me faire des pages. Ça, c'était à l'époque, vraiment à l'époque, à l'époque. Peut-être c'était à la sortie des accessoires rouges, peut-être. Peut-être pas à la sortie des accessoires roses. Je sais plus. Mais j'étais en mode, il faut que je rush. Ouais, si, c'était ça, il fallait que je rush mes accessoires rouges, donc j'avais pas le temps en fait. Et à l'époque, c'était galère. Donc là, on est encore sur le personnage qui était top 6. Je l'ai mis full accessoires rouges. On voit qu'il a pris que 50 FC parce que bah, il n'y a pas les enchantes, tout simplement, ce qui paraît logique. Donc voilà, vite faire les enchantes, j'ai plus beaucoup de Magical Essence pour les accessoires, on peut le voir. Il m'en reste 80 000, donc je pense que je vais faire que les enchantes à 5 000 et je vais pas m'amuser à essayer de faire les enchantes non Awakening qui donnent pas forcément tout le temps de l'AFC. Donc c'est aléatoire, vous avez une stat sur 6, donc une chance sur 6 de tomber sur des FC. C'est pas forcément rentable.
quand vous n'avez pas beaucoup de Magic Essence comme moi. Donc voilà, là je réfléchis juste FC, je réfléchis pas optimisation FC, je réfléchis pas. Il faut absolument que tous mes accessoires soient enchantés correctement. Non, c'est là je fais les awakenings, j'essaie de gratter le plus de FC possible. Et le reste, on s'en occupera plus tard quand j'aurai récupéré les ressources nécessaires pour faire les enchantes non awakening. Là, j'ai tout fait. Je tente un petit coup, il me semble. Voilà, je tente un petit coup. Après, je me rends compte que je suis quand même à 34 000. Je pense qu'à un moment, je m'en rends compte, j'espère du moins. Donc là, on voit que je claque, je claque, je claque. 600 par 600, ça va très vite. J'ai dû déjà claquer 5 000 dans le vide là. 5 000, je stop, parce que ça m'énerve. Voilà, j'ai eu 8 FC, j'ai eu de la chance. Est-ce que je continue à gratter? Je mets 4, 4 CP carrément. 3, 4, ok. Frérot, arrête-toi! Arrête-toi! Et je veux pas m'arrêter, je suis con quoi. Moi personnellement, là j'aurais. En revoyant ça du point de vue extérieur, étant donné que là je suis en train de commenter ce que je faisais. Je pense que j'arrêterai. Il me semble, tu vois là, j'hésite. Je sais pas trop. Don't restore. Je mets 4. Je fais du forcing. Ok. Je force un peu là. Je fais vraiment du gros forcing là. Ok. Donc là, on voit que ça passe pas. Il me reste 13 000. Je m'arrête. Mais j'aurais dû m'arrêter bien avant. Je vais pas vous mentir. J'aurais dû m'arrêter bien avant. Bref, c'est pas grave, je stocke 13 000, je sais plus comment je récupère des Magical Essence, je pense que je balance des accessoires à la con. Il n'y a pas tous mes accessoires rouges qui sont enchantés, mais c'est pas grave, je repasserai dessus quand j'aurai des ressources. Personnellement, voilà, on est à 15 953, on est quasiment au cap des 16K, donc c'est-à-dire que dans mon top 6, je voulais que tout le monde soit 16K. Quasiment, donc voilà, on est pas loin de l'objectif principal. Pour un personnage qui est 20K CP en main, 20K 500. 5 16K à côté, c'est plutôt pas trop dégueu. Voilà, ensuite, bah, je passe sur tout ce qui n'est pas top 6. Enfin, enfin, je passe sur les personnages qui ne sont pas top 6. Enfin. Qu'après, c'est one by one. Donc, il y a des trucs qui sont déjà faits sur ce compte. Donc, bien entendu, ça sera moins chiant pour moi de monter ma CP de famille que quelqu'un, une personne qui a strictement rien. Donc voilà, il est full accessoire orange. On voit qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose sur ce personnage. Il n'y a pas grand-chose. Il est allé à 11K. Pour un personnage que j'ai pas envie d'avoir dans mon top 6, à 20K, ça serait plutôt du 14K, je pense. 13K 500, voire 14K environ. Donc bah là, comme vous avez pu le voir à diverses reprises, j'ai plein de stuff rouge qui traîne. Donc forcément, je vais lui équiper direct le stuff rouge. Et d'ailleurs, c'est étonnant qu'il y ait des armes Lupa. Je sais pas pour quelle raison. Peut-être j'ai deux Lupa sur ce compte, je sais pas. Ou peut-être que j'avais prévu justement de la monter et du coup j'avais commencé à le stuff. Voilà, boum, on prend 3 000. Là, on passe à 15 000. Juste avec du full rouge et du full accessoire. On a une sushi qui traînait dans la banque qui était à plus 30. Très bien. Et là, Alchemy Lab. Ah mais il me manque. Il me manque les poussières bien entendu. Les poussières s'il te plaît. Voilà. Les petites poupes poussières. Hop, on enchaîne. On a Awakening. Une sushi. Pour moi, une sushi qui est 30, quand t'as beaucoup de poussière, clairement tu la passes à Awakening. Clairement. Enfin, dès que t'as une. Merde, dès que t'as une sushi sur un de tes personnages secondaires de ta famille, tu la passes minimum Awakening quoi, c'est respecte la sushi quoi, ou à ce moment-là utilise-la pour essayer de monter ta sushi de ton perso principal. Donc là on voit qu'il y a une relique qui est pas Awakening, ça me dérange, boum, on la passe Awakening. Je sais pas si sur les petits personnages je m'amuse à mettre des glyphes ou pas. Je pense pas que j'ai la moula pour ça parce que je l'ai pas fait dans mon top 6. Donc je pense pas que je m'amuse à faire ça. Il est à 15K. Je pense que je passe à autre chose. Ouais. Ça paraît logique. Je passe à autre chose.
Donc là, c'est le top 6. Là, on voit la Nova à 15 000 que j'ai fait tout à l'heure quand je lui ai récupéré ses accessoires rouges. Mais elle est quand même à 15 000, donc j'ai pas trop à y toucher. Donc le 15K, je touche pas. On va aller direct sur le 10K, la faucheuse. Après, potentiellement, sur le top 6 ou les 15K que je viens de faire à l'instant, il y a toujours des choses à améliorer. Mais là, l'idéologie, c'est vraiment de vous montrer de A à Z comment on monte tous ces persos sans perdre de temps, en fait. Pas passer 3 heures, quoi. Même si déjà de base, ça prend énormément de temps, on est d'accord, là, ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Ça fait déjà un bon 40 ou 35 minutes qu'on est ensemble. Ouais, déjà, de base, là, j'ai fait 8 persos. J'ai déjà fait 8 persos, donc je suis déjà à la moitié. Voilà, c'est long, il faut pas se mentir. Là, j'ai pris un perso qui était bien entendu pas à 15K, donc il n'a pas été up. Même logique que tout à l'heure. On regarde ce qui lui manque. Donc là, je pense que je vais lui mettre full accessoire orange, ce qui est logique, ce qui m'en reste encore dans la banque. Ok, il me manque quoi? Ça rentre à la base. Là, j'ai plein d'alchimie à la con qui traîne. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Il me faut les gants. Il me faut l'arme principale et l'arme secondaire. Étant donné que je n'ai pas d'équipement rouge d'arme principale, ça paraît logique. Enfin, ça paraît logique. En tout cas, je me suis pas dit, tiens, il faut que je monte le rouge de la faucheuse. Donc je pars direct chez Akatu, hein. Voilà. Je vais dans les modifications et je garde le orange. J'attends environ 30 secondes en moyenne. Donc je compte dans ma tête. 1, 2, 3, 30 secondes comme ça. Jusqu'à avoir au bas mot. Je dirais au bas mot une trentaine de pièces orange pour pouvoir craft du jean. Je dis au bas mot, hein, si c'est pas du jean et que c'est le Liverto, donc c'est l'équipement d'en dessous, bah tant pis, c'est l'équipement d'en dessous, quoi. Je vais pas me prendre la tête. Pareil pour l'arme principale. Bon là c'était plus 10-15 secondes que 30 secondes quand même. Allez, on enchaîne. Ding 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 ding. Donc là, voilà, on est bien, ça sert à rien de forcer plus. Surtout que maintenant, en plus, c'est pété. Maintenant, avec le Shakatu Tri, je vais appeler ça le Shakatu Tri, parce qu'il y a 3 barres. Maintenant, ça prend même pas autant de temps, le Shakatu. Vous êtes chill, tranquille, vous lancez un lancer, un. Je suis sûr que vous l'en faites un ou deux lancers maintenant de Shakatu Tri, et c'est bon, vous êtes tranquille. Alors qu'avant, il fallait faire ding ding ding, on était encore sur du Shakatu 2 sur cette vidéo. Donc le Liverto, c'est le jean, c'est celui qui a 3 gemmes. Le Liverto, c'est le. Enfin, en gros, il vous faut 3 équipements orange avec une gemme pour faire des équipements de gemmes. Ensuite, il y a les équipements gemmes. Donc là, je suis en train de crafter des équipements de gemmes. Ensuite, pour faire. Non, c'est pas Barès. Pour faire du Liverto, il faut 3 équipements de gemmes. Et pour faire le jean, il faut 3 équipements Liverto. Donc progressivement, en fait, plus vous avancez et plus l'orange il est supérieur. Il donne plus de AP, plus de DP, etc., etc. Donc dès que vous avez du jean ou que vous avez du Liverto, vous ne prenez pas la tête. Hop! Donc là, je vais faire pareil, la même logique. Donc l'équivalent du Liverto en arme secondaire, c'est le Rossard. Et l'équivalent du jean Liverto, bah, c'est le jean Rossard, tout simplement. A savoir que il n'y a que le stuff Liverto et le stuff jean Liverto qui sont Awakening, qui vous donnent un boost de FC conséquent. Donc c'est pour ça qu'il faut au minimum avoir du Liverto. Si vous n'avez pas du Liverto, bah tu ne l'awakening pas, donc tu gagnes pas la FC qui est de 50, 20, 30 FC par stuff par awakening, et tu gagnes pas tous les enchants awakening qu'on a fait tout à l'heure. C'est pour ça que c'est obligatoire tout awakening, awakening, awakening. Tout le reste, c'est du stuff avant niveau 60 quand tu galères au début. Donc voilà.
Pareil, Awakening, le rouge, forcément. Le rouge, c'est mieux que du orange, donc ça, Awakening, forcément. Tout le stuff qui est au-dessus tout le stuff qui est au-dessus du Liverto orange, ça, c'est Awakening. Tout le stuff qui est en dessous, ça ne se... ça... bah, tu ne peux pas l'Awakening, tout simplement. Donc maintenant que j'ai tout mon stuff, boum, j'awakening tout. Première étape. Donc on voit bien la nuance entre le non-awakening et l'awakening, hein, c'est vraiment un contour gras. Je dirais là c'est pas un awak, ça se voit la nuance. Donc là je dois chercher mon rossard à mon avis. Ou je l'ai pas craft. J'ai deux Liverto. Ok, j'avais pas fini. C'est ce qui me semblait. J'avais pas fini. Donc là, je suis en train de craft mes armes secondaires de gemmes pour pouvoir craft un Liverto, je pense. Trois Liverto. Parfait. Comme ça, je vais pouvoir craft le Djinn Rossar. Donc ça, c'est l'Ultimate Rossar. Et donc, du coup, on a au moins un Djinn. Donc trois gemmes, armes secondaires. J'avais oublié de faire ça. Ok, hop, Awakening. Et hop, c'est fini. Là, c'est fini, l'Awakening. On n'en parle plus sur ce perso. On a un peu de rouge, on a un peu d'orange. En sachant que le orange 3 gemmes, il n'est pas équivalent rouge, hein, faut pas rêver. Hein. Il est un peu en dessous, bien entendu. Il est largement en dessous. Mais ça reste, si vous n'avez pas envie et vous n'avez pas assez de chakatou pour stuff vos personnages full rouge, bah vous les mettez full jean. Minimum, full djinn. Full djinn 3 gemmes. Ou full Liverto. Pas forcément djinn, vous pouvez mettre du 2 gemmes. Dans tous les cas, du moins qu'il y a l'Awakening, c'est rentable. Tout le reste, c'est pas poubelle, c'est juste que ça vous servir à craft, justement, cet équipement. Tout simplement. Hop, donc là, classique, hein, vu que je viens de craft les Ultimate Liverto, vu que je viens de craft les armes principales, bah, je les monte 40. Hein. Donc là, en règle générale, ce que j'aimerais bien quand tu montes la CP de famille, c'est que tu mets tous les équipements que tu veux, avec toutes les ressources, toutes les gemmes, etc. Et tu cliques une fois et ça met tout plus 40. Ça serait cool, ça serait grave cool, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Là du coup c'était l'erreur tout à l'heure, vous voyez, je mets mon arme plus 28, j'ai un peu le démon, j'ai vraiment le démon que mon arme soit plus 28, parce qu'en fait au final j'ai utilisé toutes mes gemmes d'armes pour crafter des pristines tout à l'heure. Donc ça c'était l'erreur que j'avais faite tout à l'heure et je m'en suis rendu compte en plein milieu. Je me suis dit bon bah tant pis hein. Donc là on va monter tous les équipements plus 40. En tête, tout simplement, ou en tri si je suis feignant. Souvent, quand je commence à faire en tri, c'est que je suis vraiment feignant. J'ai la flemme, je veux que ça aille plus vite. Là, j'ai carrément mis des 50%. Voilà, je veux que ça aille vite. Alors, j'avoue que soit je mets tri sans rien, soit je mets voilà, je mets du 50%. À partir de 2. Donc là, quand tu arrives à 2, normalement de 2 à 3, ça devrait être plus simple avec les 50%. Voilà, vous voyez, c'est 3-4, ça part vite avec les 50%. Et donc, du coup, bah, je suis un peu bloqué sur les armes principales à cause de ma bêtise, on va dire. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Ça sera juste. Même en ayant fait des bêtises, je suis à 13 400. Tac, tac, tac. Ok, là je fais du tirage relique. Parce que je suis en manque de reliques. Non, c'est pas dans les offres. C'est dans. C'est où déjà? C'est dans autofill? Ah, c'est là-dedans. Donc j'enlève mystique. Pour essayer de choper des reliques mystiques. Et je vous dis à tout de suite parce que là ça va être long. Qu'il y a beaucoup de tirages. À tout de suite.
Donc là, on est parti sur la suite. Donc j'avais fait un tirage relique. Je trouvais ça trop long. Et du coup, même moi, pendant que je faisais la vidéo, ça me saoulait en fait. Donc j'ai arrêté. Vous voyez, j'ai mis une petite relique bleue pour vous dire à quel point j'en avais marre. Par contre, je vois que le totem, il est plus 0. Ça me va pas. Ce qui est logique. Tous mes persos, c'est minimum totem plus 4. Donc je prends juste 200. Voilà, c'est histoire 2. Hein. Je prends les Crystallis Z. Totem, je les ouvre et je pars en auto-enchante basique hein, sur du plus 4, je pense. Ça paraît logique parce que au-dessus du plus 4, c'est un peu chiant. Voilà, c'est le plus 4, c'est assez facile à avoir en règle générale. Ça traîne pas trop. Après, vous pouvez mettre tout plus 3 si vous avez envie. Après, le plus 4, ce qui est bien, c'est que ça vous donne plus 1, je crois. Voilà, ça vous donne plus 1 à tous les accessoires. Donc c'est pas négligeable, c'est un petit boost de FC, mine de rien. Qu'est-ce que je fais? Voilà, j'abandonne les reliques parce que ça me gonfle. Comment dire? J'ai pas mis une sushi parce que ça fait pas partie de mon top 6. J'ai mis juste la pierre d'alchimie plus 3 à l'arme principale. Ça donne de la FC, donc je prends. Donc là voilà, ma faucheuse elle est à 13 565, elle est quasiment à 14K. J'ai dit moi ce qui m'intéresse au minimum c'est 13 500, 14K. Bon voilà, je l'ai un peu délaissé la faucheuse, hein, 13K, 13 500, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu lui mettre du relique, j'aurais pu... Mais bon, voilà, faut avancer dans la vidéo, donc du coup je me dis 13 500, je repasserai sur elle plus tard. Mais pour le moment voilà, c'est pas l'urgence. Là, on voit que je suis monté à 122 000 quasiment. J'étais à 100 000 au début de cette vidéo à peu près, ou à 105 000 de CP famille. Là, je suis déjà à 122 000. Donc j'ai bien progressé, mais c'est pas fini. On n'a pas fini. Donc là, j'ai mis que des accessoires orange. Pardon, que des accessoires violets. Il est même pas 60, le personnage. Il est même pas 60. Hop! Donc je vais essayer de le passer 60, parce que en fait je supposais, ça c'est une vieille mise à jour, mais maintenant ce n'est plus le cas. C'est vraiment plus le cas, mais à une époque il fallait être 60 pour avoir... Alors, je vais m'expliquer plus clairement, parce que du coup en fait, fut un temps, il y avait des classes qui n'étaient pas Awakening. C'est-à-dire qu'en gros quand tu jouais ta classe, tu n'avais pas l'Awakening, tu n'avais pas la classe l'Ascension, du coup tu ne pouvais pas avoir de stuff Awakening. Et pour avoir l'Ascension de la classe, il fallait passer niveau 60. Et quand tu passais enfin niveau 60, tu prenais tes skills d'Ascension, donc tes skills d'Awakening, et tu pouvais Awakening ton stuff. Donc là, durant ce passage où je vais essayer de monter mon personnage 57, donc je prends une leader Blazing, ça vous donne 500% d'XP. Pour monter plus vite ton personnage. Je vais aller acheter des potions pour 4 perles, la classique. Pour avoir 50% d'XP en plus. Je me suis mis en Adum x3 pour avoir 500% d'XP. Donc là, vous êtes sur une potion qui vous donne 500% d'XP, plus Adum 500% d'XP, plus une soupe 50% d'XP, plus... La CP de famille qui vous donne 160% d'XP. Plus les pets. Plus. Voilà, on est en x3, on est bien, on est tranquille. Normalement, là, on est à 1000, je sais plus combien. De toute manière, on est capé pour info. Dans le jeu, vous êtes capé à 1300 ou 1400 d'XP. Donc, quand vous cherchez à aller trop loin en termes d'XP, que vous claquez des hauts-tailles, machin, etc. Des fois, ça vaut même pas le coup parce qu'au final, vous avez déjà cet XP-là en fait. Bon, là, après, on a une potion. Ok, on a une potion 500% d'XP. Mais des fois, ça arrive que bah du coup t'es à 1500 d'XP, je crois, et le cap c'est 1300, c'est pas 1500. Donc là, pareil, hein, classique, hein, on va passer tout plus 4. Classico. Hop, hop. Plus 4, plus 4, plus 4, plus 4. Comme ça, du coup. Concrètement, mon personnage monte en XP, donc là il est passé 58, et en même temps, je fais le stuff, tout simplement. Un peu comme quand à chaque fois il y a un nouveau personnage qui sort, ben, c'est un peu la stratégie quoi. Tu pars zéro stuff, à moins que tu aies fait ton stuff en avance, parce que t'as que ça à foutre. Mais en général, je trouve qu'il y a assez de contenu comme ça entre le Grand Désert, le Mercantry, le Black Sun,
tes daily, plus les weekly, plus, t'as tellement de choses à faire dans la semaine qu'au final, de perdre ton temps à faire ton stuff en avance, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus logique pour ma part. Après, bien entendu, le jour où il y a un nouveau personnage comme le sage qui est sorti, tu peux pas jouer ce jour-là parce que t'as pas le temps ou tu dois faire autre chose. Là, effectivement, de prendre peut-être une demi-heure, la veille ou l'après-veille ou la semaine d'avant pour avoir ton stuff déjà de prêt, voilà. Donc, je reviens à ce que je disais. Quand vous êtes Ava à l'époque, eh ben, du coup, il fallait débloquer sa classe d'Awakening pour mettre son stuff Awakening. Mais maintenant, avec les nouvelles classes, donc énormément de nouvelles classes, je crois, les 8 dernières ou les 7, 6 dernières, elles sont directement en Awakening niveau 1. Donc, c'est-à-dire que tu as déjà les sorts d'ascension niveau 1, donc tu peux déjà mettre du stuff niveau 1. Tout simplement. Et du coup, je crois qu'ils ont fait ça pour tous les persos. J'avais oublié ça. Donc c'est pour ça qu'au final j'essaie de passer à niveau 60 en même temps que je montais mon stuff. Mais en soi c'est pas dérangeant parce que dans tous les cas moi je pars du principe que tous tes persos, même ceux qui sont pas dans ton top 6, doivent être niveau 70. Donc dans tous les cas lui il était 57, il fallait que je le monte. Donc autant le level up en même temps que je fais le stuff. Mais je pense que sur la logique, sur le moment, je pensais vraiment que du coup il fallait que je sois Awakening pour monter mon stuff. Je sais pas si vous voyez d'ailleurs mon stuff n'est pas Awakening il me semble. Ah, ça veut pas là, ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Ah, ça. Des fois ça galère un peu. Hein. Donc là, on le voit, le stuff il est full non awakening. Vu que j'ai quand même bien attaqué les parchemins 50%, je me dis qu'il faut quand même que je commence à attaquer les parchemins 10%. Donc après, encore une fois, effectivement, c'est une petite douloureuse hein, de monter la FC de famille. Mais quand c'est fait, après, bah normalement, t'es plus censé dépenser de l'argent en fait. Je crois que j'étais parti au début de la vidéo avec 3 milliards de silver. Je suis déjà à 1 milliard 200 000. Donc j'ai perdu. Ouais, j'ai perdu deux tiers. Hein. J'ai perdu deux tiers de silver, quoi. Et de parchemin, de ressources, etc., etc. Donc quand même avoir quelques ressources quand même pour partir sur ce truc. Après, vous partez en ligne droite. Vous essayez d'éclater le plus de ressources possible. Si vous avez plus de ressources pour monter votre FC de famille, vous attendez une ou deux semaines. Boum, et vous repartez ligne droite sur votre FC de famille. Donc là, je me rends compte que j'ai pas de stuff jean. Je suis full plus 40, mais j'ai pas le stuff jean sur ce perso. Donc là, je vais aller chercher le stuff jean. Tout simplement. Et je pense que je vous dis à tout de suite pour la suite. Donc là, on revient. J'ai fait une petite avancée. Bon, ça fait un peu mal aux oreilles d'ailleurs. Donc là, on fait du craft. Donc on craft tout le stuff pour le passer en jean. Voilà, classique, hein, encore une fois. Tout le stuff en jean sur ce personnage. Vivement la fonctionnalité. Passer tout ton stuff en jean. Ça serait worst, I think. Ça serait ouf. J'en fais 2-3 comme ça, je pense, puis après je ferai des grosses coupures en mode bah alors lui je lui ai fait ça, lui je lui ai fait ça, lui je lui ai fait ça, lui je lui ai fait ça. Je pense que vous commencez à comprendre la logique. Donc là j'ai pas assez pour me faire une armure jean, mais c'est pas grave, j'en ai un peu rien à foutre, je vais pas vous mentir. Voilà, c'est le surplus. Là j'avais comment dire? J'avais deux armures Grenyl non jean en surplus. Donc au final je me suis pas pris la tête, j'ai mis le stuff jean, enfin le stuff jean, pardon, j'ai mis le Grenyl tout simplement dans mon camp pour les prochains personnages, ce qui est logique. Voilà, on voit que je suis full accessoire violet, maintenant sur les dernières zones on loot des coffres, là il m'en reste 39, on loot des coffres d'accessoires orange, donc orange, pardon, violet. Donc voilà, vous avez juste à ouvrir environ, vous prenez 10 coffres, allez, on va dire 10 coffres maximum, 10-15 coffres, et hop, c'est bon, vous ouvrez tout, vous équipez tous les accessoires violets, et voilà, on n'en parle plus. Là, je vois que il me reste quelques accessoires orange, mine de rien. Mine de rien. Il m'en reste pas beaucoup, mais voilà, j'en ai équipé deux, histoire deux. On va passer le totem plus 4, classique, vraiment, vraiment classique.
plus 3 carrément, parce que là j'ai la flemme. Apparemment, là, sur la logique, je commence à avoir la flemme, je commence à fatiguer. Parce que du coup, bah c'est chiant de monter sa CP famille. Voilà, j'ai mis plus 3 en mode bas les couilles. En mode code rush, comme on dit. Là, il faut que je awakening. Donc là, j'étais revenu in-game, étant donné que j'étais en train de level up. Donc j'attends de passer 60. Tout simplement pour passer tout mon stuff à Awakening. Donc je suis encore bloqué dans ma logique, hein, en gros. Je suis encore vraiment bloqué dans ma logique de dès qu'on passe 60, on peut Awakening le stuff. Mais je sais pas si vous voyez, j'ai un accessoire qui est d'ailleurs un anneau qui est Awakening. Donc ce n'est plus le cas en fait. Les nouvelles classes, elles sont automatiquement Awakening. Il n'y a plus cette logique-là. Moi j'ai encore la vieille logique d'il y a 2 ans en fait. Voilà, donc là je suis parti. Ce que je voulais faire tout à l'heure, je vais le faire maintenant. Du coup, c'est que je vais faire du tirage. De reliques, donc je garde même les jaunes finalement parce que je vois que ça prend trop de temps et que c'est trop lent. Du coup, même concept, je fais un tirage sur les reliques pour tous mes autres personnages et principalement pour celui-là aussi. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Et je pense que je vais avancer, on va pas faire les 80 000 ensemble. Allez, à tout de suite. Donc on revient, on a fini de faire les 80 000 à peu près. Donc j'ai eu quelques oranges et là vous voyez carrément je balance les rouges au Black Spirit tellement je m'en bats les couilles proprement. Voilà, on a eu nos deux glyphes orange, on est bientôt niveau 60 avec ce personnage qui Xerxes. Voilà, j'avoue je me suis pas trop pris la tête hein, sur le nom du personnage, on va hein, je sais pas si j'aurais des problèmes. Même pas, j'ai même pas tiré 80 000, j'ai tiré juste 20 000 parce que j'en avais marre, tu vois, genre faut qu'on avance. Du coup, on récupère les cristaux violets, on récupère les cristaux jaunes, on récupère ce qu'on peut récupérer, bien sûr. Là, je trouve ça stupide d'aller équiper les cristaux pour le moment. Donc, autant les équiper sur le djinn. Et ensuite, sur ces trucs-là, je vais pas les équiper. On va attendre l'awakening, j'attends toujours. Donc là, il faut que je passe tout mon stuff djinn. Donc, pareil, je vous dis à tout de suite. Ok, donc là on a fini de faire le tirage chaque atout. On passe tout le stuff djinn. Donc là j'ai passé tout mon stuff djinn. Comme on peut le voir, tout mon stuff est djinn. Minimum, voilà. Donc ça m'a coûté un certain pourcentage. Je récupère tous les sous que j'ai mis en banque. Je mets du djinn en vente et on voit que ben, ça vaut rien. Ça vaut vraiment rien. Ça vaut pas grand chose, mais bon, je mets. Parce que du coup, bah voilà. Après le Barès et le Zarian, bah poubelle, hein. Ça part clairement poubelle. Parce que du coup, bah ça vaut rien quoi. Ça se vend pas quoi. Déjà que le Live Verto ça se vend pas. Donc alors là. Voilà. Du coup, on a enfin finalisé sur ce stuff full djinn. On était déjà full tête de base. On est niveau 60,82. Donc on peut awakening la relique, awakening le stuff. Et du coup, on retourne au camp sur ce personnage, enfin, après des longues heures, non je plaisante, ça a duré genre 20-25 minutes je pense à peu près, et du coup j'ai coupé les 25 minutes, mais voilà, parce que du coup on n'a pas que ça à foutre de regarder du tir à chaque atout pendant 25 minutes. Je commence à comprendre la logique quoi. Donc, dire awakening, on a awakening tout, alors moi j'étais persuadé qu'il fallait être niveau 60 encore une fois, mais visiblement non, mais au moins comme ça mon personnage est 60. Donc ça veut dire que je vais pouvoir utiliser des parchemins d'XP pour le passer de 60 à 70. Il vous en faut, je crois, 80 rouges ou 100 rouges, juste pour passer de 60 à 70. C'est que dalle, c'est vraiment que dalle. C'est 100 parchemins rouges, c'est pas si compliqué que ça à avoir. Sur votre main, ça va peut-être vous donner 0,1 ou 0,2% d'XP, mais sur un personnage comme ça, vous allez passer de niveau 60 à 70, juste avec 100 parchemins rouges. Donc clairement worst, dès qu'il est niveau 60, votre perso, vous avez plus besoin de pecs, vous posez vos parchemins rouges et c'est bon, c'est torché, on n'en parle plus. Voilà, on est sur l'awakening de tous les stuff classiques. Donc
Donc là, par contre, désolé, je vais pas avancer rapidos, parce que si je dois avancer à chaque fois et dire mais j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, voilà. C'est juste pour comprendre un peu la logique. Je sais que c'est rébarbatif, mais au moins vous voyez à peu près ce que vous avez à faire. Et puis au pire des cas, si vous êtes en train de monter votre CP famille, mettez la vidéo sur l'écran de gauche et en même temps vous faites votre FCP, enfin votre FC de famille en même temps. Comme ça, vous avez un peu ce que je fais et en même temps vous montez en même temps votre CP de famille, tout simplement. Et vous avez l'explicatif. Il vous faut deux écrans. Un écran pour jouer et monter votre CP de famille et un écran pour regarder la vidéo. Comme ça, on avance à peu près à la même vitesse, même si j'ai fait des petites accélérations. Donc voilà, on passe tout à Reckoning. Oui. Yeah. Au moins, c'est bien, j'ai fait plein de cuts. Parce qu'au final, la vidéo, elle durait 3 heures. J'espère qu'elle durera 1 heure et demie maximum, donc la moitié. Je sais que c'est un peu long, mais voilà, c'est une vidéo que je referai pas. Clairement pas. Donc, si vous voulez monter votre CP de famille, ben, soit vous la matez entièrement, soit vous la matez entièrement, quoi. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Voilà, j'ai passé tout en Awakening. Classique. Qu'est-ce que tu fais? Ok, très bien. Donc là, il nous manque plus quoi? Il nous manque plus que. Il ne manque plus que les reliques. Les reliques à passer Awakening Orange. Donc ça c'est uniquement au camp. Il faut cliquer sur le truc, l'offrande des reliques. Awakening, on passe bien sûr les reliques orange en Awakening. A savoir qu'au final au début j'avais commencé à mettre des reliques jaunes. Mais au final, bah, les reliques jaunes, c'est comme le stuff jaune. Vous pouvez pas Awakening. Du coup bah, vous perdez beaucoup de FC sur du stuff de merde. Et sur les reliques jaunes, vous ne pouvez pas mettre de glyphes non plus, c'est un peu le problème. Donc du coup, au final, le minimum syndical, c'est le Liverto et le Grenyl orange, deux gemmes, voire le djinn. Enfin, moi, je conseille le djinn pour les trois gemmes. Et les reliques orange, c'est le minimum syndical pour moi, pour monter sa CP de famille. Voilà, on est bien. Donc là, je vais faire du tirage alchimie, parce que j'ai pas de pierre d'alchimie. Donc je vais en prendre 25 000 en gros au bas mot. Dès que je vais avoir une pierre qui donne plus 2 ou plus 3 sur l'arme principale, je vais la stocker et voilà. Comme ça au moins on est bon. Et comme ça pour les prochains personnages qui me restent à monter, bah pareil, j'aurai dans mon inventaire. Donc là je sais pas trop ce que je fais. Je sais pas ce que j'expliquais. Je devais partir comme d'hab. Quand j'explique beaucoup de choses, des fois j'ai tendance à m'évader sur un autre truc. Là, clairement, je saurais pas dire sur quel. Ah, je pense que je cherche le truc d'alchimie et je bug. Ouais, je cherche le truc d'alchimie en fait. Genre, il est devant toi. En fait, il est. Ouais, voilà, ok, merci. Bravo, Nas! Je m'applaudis moi-même tellement, genre, le mec est de tense. C'est devant tes yeux, tu sais, et voilà. What the fuck. Du coup, j'en ai pris que 25 000, j'en ai pas pris 200 000, hein, c'est pareil, c'est pour pas passer 3 heures à faire du tirage. Hop! Ok, on fait de l'autocraft, auto-synthétisation, et c'est parti. Bra! Ça, c'est pareil, malheureusement, c'est que au camp que vous pouvez le faire. Donc, malheureusement, voilà. Pour info, je suis sorti, je suis rentré dans le camp, j'étais en train de farm, j'étais niveau 60,80 avec ce compte. Et je suis rentré dans le camp pour awakening mon stuff, etc., etc., pour faire plein de choses. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en même temps que je monte mon stuff, là actuellement, bah, je suis toujours en train de farm, c'est-à-dire que je suis en chasse Black Spirit. Tout simplement. Donc, je sais pas si vous avez vu, là j'ai équipé une petite pierre d'alchimie qui donne plus 2 aux armes principales. Donc, c'est pas dégueu, moi je mets ça ou je mets le plus 3 quand j'ai vraiment la flemme. Et là, ça se voyait que je commençais à avoir vraiment la flemme. Allez! Allez! D'ailleurs, sur les 25 000, je crois pas avoir de rouge. Il me semble pas recevoir à aucun moment du rouge sur 25 000. Donc, je vous dis encore une fois, à la fin du tirage. À tout de suite. Suite. Donc là, j'avais fini. Enfin. Donc comme on peut le voir, j'ai une pierre d'alchimie qui est
orange et qui me donne plus 3 sur mon arme principale. Tout en haut, on voit un petit 3 à côté du 4. Et du coup, voilà, ça va me donner, je sais pas, 20, 25 FC. J'ai placé les pierres d'alchimie du même style dans mon inventaire de la banque. Comme ça, au moins, c'est fait et on n'en parle plus. Et il reste quoi maintenant? Il reste les enchantements pour moi, de ce qui me semble logique sur ce personnage. Il me reste tous les enchants Awakening. Je viens de passer tout le stuff Awakening, mais j'ai pas fait les enchants. J'ai pas fait les gemmes non plus. Tout cas, il me reste les enchants. Voilà, Stone Storage, comme je vous l'expliquais, ça donne plus 3 sur l'arme principale. Là, il y a les enchants à faire sur l'accessoire secondaire, orange. Donc, enchant. On récupère tout, il me reste juste 15 000 parce que j'ai un peu gris tout à l'heure. On va mettre deux enchants à 3 000 vu que c'est du orange, c'est pas du rouge. Le rouge c'est 5 000 sur l'Awakening, l'orange c'est 3 000, donc voilà, ça me coûte que 6 000. Hop, c'est bon, on a fini de faire l'accessoire. Ensuite, on fait les Awakening des équipements. Et normalement, sur ce personnage, on a fini, on a bientôt fini, enfin, on arrive au bout du tunnel sur ce personnage. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est long, c'est long. Faut être patient. Je sais même pas si tu pourrais faire un script pour monter tes personnages. Il y aura peut-être des mécaniques, mais non, c'est pas possible étant donné que du coup tu positionnes pas forcément toujours au même endroit. Ah, quoique. Peut-être que tu pourrais, bref. Si, je pense que c'est possible. Mais que dans certaines conditions. Du style, par exemple, pour faire les enchants Awakening, éventuellement, j'avoue, si t'es feignant, tu pourrais lancer ton script. Genre, tu prends tes magicals et hop. Ça fait te, ça script tout seul, tu vois. Donc là, je veux faire les enchantes non awakening, enfin les enchantes classiques, je veux dire, pardon. J'espère que je confirme. Oui, confirme. On enchaîne. On enchaîne. On enchaîne, monsieur. On enchaîne. Allez, hop. On fait, voilà, 4 ou 5, pas plus. Ça sert à rien de chercher plus loin, on va pas y passer 3 heures. Ah mais des fois ça veut vraiment pas. Et j'ai mis 4 hein. 2. Pour dire là j'étais désespéré hein. Alors je... Enchant à 4 qui passe pas aussi long... depuis si longtemps. Attends, mode, ah, c'est bon, allez next, c'est bon, et pas que ça à foutre, c'est bon. Là je pense, par logique, je tente même pas sur les armes de faire les enchants basiques. Parce que vu que l'armure elle m'a troll, du coup genre j'ai dû. Voilà. Ça a dû me fatiguer. Ça a dû me fatiguer, du coup je fais, ouais, c'est bon, on passe à autre chose. Allez, on passe à autre chose. On passe à autre chose, frérot. Y a plus rien à enchanter. Y a plus rien à enchanter. Ah si, j'explique que vous pouvez enchanter le violet, effectivement. Mais c'est ridicule, hein. C'est genre, pour avoir les 1 FC ou 2 FC du violet, c'est vraiment ridicule. Je déconseille de faire ça. Vraiment, vraiment, je déconseille. Donc là, en théorie, on a fini. Le cap que je voulais atteindre, c'était 13 500 minimum ou 14K. Donc là, on monte à 124 000 de famille CP. On est enfin à 124 000. On commence à monter, à monter, à monter. Hop! Ensuite, on a quoi? On a la faucheuse à 13 500. La Shashin à 14K. La Nova à 15 288. Là, j'insiste sur la faucheuse parce que du coup, j'ai des choses à revoir dessus. On voit qu'il y a un autre Hachachine. Ah, c'est bien ce qui me semblait. C'est pour ça. J'ai deux Hachachines. On voit, j'ai deux Hachachines à 14K. Parce que du coup, quand j'ai recréé des persos, j'ai zappé que j'avais un autre Hachachine. Après, on s'en fout. Hein, c'est de la FC de famille. Hein, c'est quand même mieux d'avoir un peu tout. Donc là, même concept. On se revoit à la fin. Carrément, là, vous voyez, là, le perso, il a pas grand-chose. Il est tout vide. Il est vide. Il est vraiment vide de l'intérieur, ça se voit. Il est vide de l'intérieur. Non, il me restait l'armure plus 40 rouge. Donc il me restait quelques merdes. Et voilà, je vais partir sur ce personnage qui est à 11K et on va voir où j'en suis sur la fin. A tout de suite. Et donc on se retrouve pour la fin. Donc là, on voit que je suis à 13 636 FC sur le Titan. J'ai mis une alchimie plus 3. J'ai mis des reliques jaunes, tellement je suis en mode feignant. J'ai passé tout le stuff en jean, j'ai fait tous les enchantements, j'ai mis tous les cristaux, et voilà, on passe au suivant! Ce qui est bien, c'est que du coup, on est à 13 600, on a un Ashina 14 000, on peut juste checker très rapidement, vu que c'était un perso que j'avais fait avant. Donc voilà, mon titan, il est passé à 13 500.
mon Hachachine à 14K. On va regarder l'autre Hachachine qui a 14K 124. Ok, pourquoi pas. Il a des petits trous. Bah du coup je vais aller le faire hein, bien entendu. Hein. Attends, ouais. Attends, ouais. Oh, 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 même si tu veux, tu mets des accessoires violets s'il faut, tu vois. Mais tu laisses pas des trous comme ça, tu vois. Fais pas le crasseux, tu vois. Comme dirait un certain youtubeur. Fais pas le crasseux, fais quelque chose proprement. Ou même dégueulassement, mais fais-le, tu vois. Genre minimum syndical, tu vois. Tac, 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 tac. Je récupère, tu vois, tous les accessoires pourris. Je crois que je vais lui mettre tous les accessoires violets, tellement je le respecte pas. Je le respecte pas. Je sais pas trop, je suis en train de checker. Je pense à mon avis, je vais pas le respecter. Allez, respecte-le pas. Et je prends ça, pourquoi? Pelqué. Ah oui, parce que je veux monter la. Ça, je le. Sur ce point de vue, je le respecte. Tu vois, genre, je lui upgrade sa sushi. Je l'ai monté 30. Hop, tu l'upgrades, tu vois. Je pense qu'à mon avis, à cette époque-là où j'avais fait ce Hachachine, pas pour cette vidéo, mais bien avant, bah, j'avais surtout plus de poussière en fait. Donc quand t'as plus de ressources, bah tu t'arrêtes quoi. Et là, je lui mets deux accessoires violets pourris, tu vois, histoire de. Et il monte à 14 230. Et voilà, je me prends pas plus la tête. Là, il n'y a pas les enchantes. De toute manière, j'ai plus de résidus pour. Donc voilà. Autant te dire que le skin de ce perso, il est rainé. Il est pas très beau. Le casque avec. Putain. Le casque avec ces deux petites épées là, et cette robe, cette tunique, c'est un concept. Bref, on passe à la Sura. À la Sura. J'ai encore beaucoup de persos à faire. Hein. J'ai des 14K, 18K, 300, 14K, 14K. 14K 300, 13K 800, 14K. Donc il nous reste deux persos. Sur 22, sur 22, il en reste que deux. Vous imaginez? J'aurais fait une présentation de 1 heure sur la. Enfin, après, en même temps, j'avais deux persos qu'il fallait que je crée, fallait que je monte. Donc c'était les deux persos 57, le Titan et l'autre Hachachine 57, Xerxes, que j'ai monté 60. Parce que j'étais en retard, ça faisait deux persos de. Enfin, sur mon second compte-là, en tout cas, il manquait deux persos, j'avais la flemme. Vraiment, j'avais une flemme intersidérale de monter deux nouveaux persos. Mais après, étant donné qu'on est dans une guilde où il faut quand même essayer de monter la CP de famille, parce que voilà. Du coup voilà, je me suis dit allez on va déjà d'une expliquer un peu comment monter sa CP de famille en tant que pauvre, parce que c'est un compte de pauvre. Hein. C'est un petit compte, hein, c'est pas un compte de riche, hein, faut pas rêver. Là on va monter la sushi Awakening, logique. Mais ce qui est bien c'est que là maintenant il reste plus grand chose à faire. Il reste plus qu'éventuellement les gants à passer en Awakening de ce que j'ai pu voir. Monter en tête aussi parce que c'est tout full plus 40. C'était à l'époque où je galérais en ressources sur ce compte, où je mettais tout plus 40 et je me disais bon on verra la suite. Donc là on voit bien que bah du coup au moins ce qui est bien c'est que quand tu repasses derrière, t'as toujours des choses à faire. Toujours. Sur ton main, t'as toujours des choses à faire pour gagner des CP. C'est un peu plus compliqué quand même. La CP de famille, c'est bien plus simple de passer derrière et de faire des petites modifications, petits ajustages, petits peaufinements, etc., etc., etc. Donc là, très simple, on la monte plus 30, boum, on la passe à Awakening direct, ça claque 30K de poussière, et on est content parce que ça nous donne, je crois, plus 3 ou je sais plus combien aux accessoires. Je ne sais plus, je crois que ça donne. Je sais plus, je sais plus exactement combien ça donne. Plus 4 peut-être, plus 2, non plus 2 ou plus 1. Non je crois que ça donne juste plus 1 hein, de base. Hein. C'est le totem qui donne les accessoires. Alors que. Ah oui c'est ça, voilà. Alors que la sushi elle donne sur les équipements. Autant pour moi. Tu passes de plus 1 à plus 3 quand tu la montes plus 30. Et ça doit rester plus 3 quand tu l'awakening. On passe les gants en awakening. Parce que voilà. Ça on passe en awakening. La petite accessoire, les petites boucles d'oreilles. Alors ça, c'est des boucles d'oreilles que vous lootez au banquet. Donc j'ai déjà fait des banquets avec ce perso. Il me semble. Ou alors je les ai rachetés, je sais plus. Mais il me semble que j'avais fait des banquets avec ce perso. Voilà, donc là on est assez correct. On est à 13 555. On a tout le stuff plus 40 à monter tête. Tout simplement. Alors je sais pas si je le fais dans la vidéo ou pas. Est-ce que je prends le temps de le faire ou j'ai la flemme? Je fais quand même le totem, parce que le totem pour moi, s'il est pas plus 3, plus 4 minimum, c'est vraiment du foutage de gueule. Voilà, plus 4, je le lance. Là, j'ai envie d'arrêter.
Voilà, plus 4 en 2 secondes. Ça, j'ai eu de la chatte, je l'ai eu en 2 secondes. Ça fait plaisir. Hop, on passe à autre chose. Hop, hop, hop. J'apprends tous les sorts. Et là, en gros, je vous explique que j'ai fait l'erreur sur un event de prendre le reward donc, qui était lié à ce personnage. Donc, du coup, ce n'est pas grave. Prochainement, quand on aura des nouvelles classes qui nous donneront des skills pour extraire les skills, j'irai sur ce personnage. Kakashi, je l'appelais Kakashi. D'accord. Oh, je devais être fatigué. Hein. Et en plus, il ressemble pas du tout à Kakashi, frère. Il ressemble à un, je sais pas, un fanboy de Kakashi, version Power Rangers, bleu turquoise. Il est horrible ce perso. Je respecte pas Kakashi hein, en ayant fait ce perso. Vraiment pas. Donc là, je pars bien entendu sur le full tête. On a bientôt fini, on a bientôt fini. Il reste deux persos, les gars. Après, il reste le sage. Et après, normalement, la vidéo elle est finie. Mais vous commencez à comprendre la stratégie, quoi. Dites-vous que pour moi, ça a été long de faire toute ma cette famille, de filmer tout, de faire des cuts toutes les 2 secondes. C'est fatigant aussi parce que du coup, tu dois revoir une demi-heure, 1 heure, 2 heures de vidéo. Tu dois cutter toutes les 3 secondes. Donc, au bout d'un moment, même moi, ça me fatigue. Je préfère limite encore parler, tu vois, et expliquer ce que je fais que cutter. Bref. Ça c'est logique que je puisse pas l'utiliser étant donné que je suis pas niveau 70. Ça on le ramène à la banque. Hop. Et on passe le stuff tête. Je reviens tout de suite, hein. Il y aura genre un petit silence, ça fait du bien aussi de pas entendre ma voix. Juste vérifier ce que j'entends du bruit. À côté de chez moi. Voilà, je reviens. Du coup, il y avait bien un bruit, c'était ma femme qui était revenue. Là, je crois que j'étais en... Comment dire? Là, j'étais au stade où je commençais à en avoir extrêmement marre. Donc, je me suis dit, on fait tout tri. Le tri, c'est super simple à faire. Vous voyez, hein, c'est comme une lettre à la poste, quoi. C'est comme se brosser les dents, tu vois. C'est easy, quoi. Au moment où je dis ça, je galère. Non, ça va, c'est bon. Let's go, next. Limite, le plus chiant, c'est de cliquer sur target, tu vois, de dire 3. C'est ça le plus chiant. Voilà. Full tree, on n'en parle plus. On a mis le totem plus 4. On range les pristines. On range. Ah, c'est vrai qu'il allait faire les enchantes aussi, je les avais pas fait. Exact, exact, exact. Exact, exact. Tu vois, même l'animation, je trouve, c'est une perte de temps en fait. Il devrait faire un système, vraiment un système où tu dis en gros tous les enchants Awakening de mes 6 pièces de stuff là, tu le sélectionnes un peu comme le tri. Tu cliques et ça balance tes magicals et ça prend tes stuff un par un. Et là, c'est bon, t'es tranquille, c'est torché, on n'en parle plus. Il devrait vraiment mettre plein de choses en place pour que ça aille plus vite pour les nouveaux joueurs. Parce que là, au final, il y a énormément de choses qui ont été ajoutées pour le faire, comment dire, plus rapidement, mais vous vous rendez pas compte, à l'époque, nous, on devait monter le stuff plus 40 manuellement. On faisait plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, clic, clic. Vous voyez l'animation qu'on a là? Et bah, à chaque plus 1, plus 2, plus 3, jusqu'au plus 40, c'était ça. Sur chaque pièce de stuff. Donc vous vous rendez même pas compte à quel point c'était horrible à l'époque de monter la FC de famille, comparé à maintenant. Maintenant, c'est du pain béni, quoi. C'est. Mec, c'est du pain béni. Non, c'est pas du pain béni. En vrai, c'est toujours aussi chiant. Bon, ok, soit ils ont mis plein de choses en place pour que ça soit moins chiant et plus rapide, mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot à faire sur ça, très sincèrement. Donc là, on a mis full tree, on est full awakening, full enchant. On passe à 14 185, vous voyez, comme final. Il faut pas grand chose, hein. Je suis full orange, full tri, avec une pauvre relique jaune. Et je suis. Franchement, ça va, tu vois, je suis à 14 000. L'objectif c'était 14 000. 13 500, 14 000. Hop, on change de personnage. Je crois qu'il me reste un personnage à faire. C'est le 12 873. Yes, c'est la Konoichi.
Et tous les autres sont déjà 14 000, donc on s'en fout. On n'a pas besoin de les faire. Sur les 22 personnages, vous vous rendez compte? 22 personnages, manuellement, plus 40. 1, 1, 1, 1, c'est long, c'est trop long. Je pense qu'ils se rendent pas compte. Lui, c'est pareil, je l'avais monté plus 40. Donc, même logique que le perso de tout à l'heure. Comme le titan, je vous amène direct à la fin. Comme ça, on passe direct au sage. Allez, à tout de suite. Donc, du coup, j'ai finalisé avec la Konoichi. Je l'ai mis à 13 000, quasiment 600. Voilà, full tri, basique. Là, je commençais à plus avoir trop de ressources. Je commençais à fatiguer, je pense. Vraiment saturé de chez saturé. Du coup, il reste le sage à monter. Il est niveau 1. À ce moment-là, du coup, je n'avais pas la possibilité, en gros, de le faire, étant donné que c'était avant la sortie du sage. Mais on pouvait le pré-create. Donc là, je faisais du peaufinement. J'allais sur les petits comptes, genre 14K, 15K, etc., etc. J'allais chercher des petits trucs. Donc il me semble que je suis allé chercher sur l'archer. Donc je suis allé vérifier les derniers qui sont à 14K pour voir la logique. Donc voilà, le dernier 14K qui traînait. On peut voir qu'il manque des accessoires. Donc bon, bah basique encore une fois. Hein. On va prendre des accessoires. Les capras pour monter la sushi. Oh, je suis en mode vraiment feignant. Boum. Ok. Démon. J'ai un peu le démon. Là, ça le démon. Quand c'est comme ça, t'as un peu le démon. Je suis allé chercher. Voilà. 10. 10 accessoires violets. Boum. Je les ouvre. Auto-équipe. Hop. Bah, les couilles. Après, le reste, poubelle. Même pas, tu vois. Genre, même pas poubelle, tellement je suis en galère. Du coup, je les remets dans mon inventaire. Enfin, dans ma banque. Hop. Ensuite, bah. Easy, hein. Tu montes. Alors j'avais effectivement. Ouais, j'avais effectivement un truc à Awakening. Donc t'as tous les 14K qui me restent, c'est plus du peaufinement en soi, tu vois, genre vraiment. Genre ils étaient déjà 14K, mais je passe dessus. Parce que bah du coup je fais une ligne droite en fait, je pars du premier perso au dernier perso et je les fais un par un, tu vois. Genre la dernière fois que j'ai fait ça sur ce compte c'était il y a 6 mois, tu vois, ou je sais pas, il y a 6 mois ou 5 mois, tu vois. Donc là je refais un petit peaufinage, quoi. Voilà, j'ai monté la sushi, hop hop hop, il y a plus rien dans l'inventaire, on vérifie que j'ai rien perdu, hop, et on passe direct. On est à 14 314, on est dans les clous, on a monté la sushi, hop, on a le totem plus 4, surtout le plus important. Et on a du full tri. Donc là, on change direct de personnage. Après la Konoichi et l'archer, il y avait un perso qui était à 13 800. Donc il doit avoir des trous aussi en termes d'accessoires. Je pense que c'est pour les collections principalement. Tu sais, tu vas chercher des accessoires, etc. pour remplir tes collections. Même pas. C'est juste les deux reliques que j'ai pas Awakening, j'ai pas respecté. Et la pierre d'alchimie que je vais mettre. Je vais mettre une pierre d'alchimie qui donne plus 2 à l'arme principale. Waouh, je gagne 7 FC. C'est dire. C'est dire. La plus 2 c'est un peu pourri. La plus 3 elle donne plus 20, je crois. Sur l'arme principale. Mais c'est toujours de la FC à prendre, tu vois. C'est vraiment genre la pierre d'alchimie pourrie. Mais même avec une pierre d'alchimie pourrie, je prouve qu'on peut arriver à 14K, tu vois. Même avec quelques trucs pourris, tu peux arriver à 14K ou 13K 500. Après, ça dépend de ton niveau de famille CP, mais après, c'est proportionnel, on va dire. Là, mon main, il a 20K 500, donc forcément, mes persos, dans le top 6, ils doivent avoir 16K, et les autres doivent avoir 14 à 15, à 13, de 13 à 14K. Ouais, c'est ça. Après, il y a deux 15K qui traînent dans le top 22, enfin dans les 22 persos. Là, j'ai fait les deux Awakening, je suis passé à 14K, voilà. Rien d'autre à faire, on switch. Next. Là, j'ai déjà 14 359. Je regarde même pas, je sais pas si je preview 14K, 14K. Et là, je vois un. Oh, je vois un Striker à 13K, pourquoi je bug? Ah, je me rends compte que j'ai deux titans et deux HHN. Oh, ok, d'accord. Sur ce compte, je suis vraiment y allé en mode YOLO, j'en avais rien à foutre des classes. Genre, j'ai fait vraiment. Je vous conseille quand même de faire 22 classes différentes. C'est mieux.
Et là, pour finir, bien entendu, les 22 personnages, on va sur le 13K800. Encore une fois, c'est du peaufinage. Je fais la ligne droite. En sachant que j'ai laissé 2-3 personnages derrière moi qui étaient à 11K, je les ai mis à 13K500. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, pareil, hein, classique. Que fais-je? Que fais-je? Donc on a des reliques déjà Awakening, c'est cool. Je vais aller chercher, je pense, les accessoires. Je sais pas pourquoi je parle des reliques. Ensuite, l'idéologie, c'est de mettre des glyphes violettes sur tous tes smurfs. Enfin, tous tes smurfs, tous tes petits personnages. Donc, on va récupérer la ceinture. Et je vais en prendre 5 parce qu'en fait, j'ai pas d'anneaux dans la banque. Ok, là, il me donne 3-4 anneaux. Parfait. Du coup, voilà, je récupère 69 FC. Juste parce que j'ai posé deux violets pourris, hein, je tiens à préciser. Hein. Je récupère une stone d'alchimie qui me donne 20 FC, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Bah là, c'était une plus 2. C'était une plus 2, elle m'a donné 20, tout à l'heure, elle m'a donné 7. Ah, peut-être que j'en avais. Ah oui, est-ce que j'en avais déjà une d'équipée tout à l'heure? Donc la plus 2 donne 20 FC. Mine de rien, 20 FC, tu prends, tu vois. Hop, c'est bon, il est à 14K. On se casse. Et c'est bon, tout le monde est à 14K ou à 13K500, les rats de laboratoire, quoi. Je fais une petite vérif sur les derniers, des derniers de chez derniers, s'il manque pas des trucs. Parce que visiblement, à chaque fois, j'enlève des accessoires pour valider ma collection. Right. Let's go, my friend. Let's go. Pareil, la sushi, il manque une bague, bah, tant mieux parce que le perso d'avant. Le perso d'avant. Oh non, le perso d'avant il avait 5 bagues et je les ai pas mis. C'est con ça. C'est un peu con. C'est un peu con, bref, c'est pas très grave. C'est un peu con, après, c'est du violet quoi, on s'en fout du violet, hein, on va pas se mentir. Voilà, on a Awakening, la sushi. La sushi en prix, je crois que c'est prix. Prix, duo, tri, je crois que ça va être prix, ouais, le 1. L'enchant 1, hop, on le passe. La sushi. Et voilà. Du coup, on peut voir que je suis à 128 606 FC de famille. Donc quasiment 130K. J'étais parti à 110 ou 105K. Donc là, voilà, j'ai atteint mon objectif. Mon top 6. Mon top 6 est à 16 000, tous les autres sont à 14 000. Je vais quand même voir le Berserker à 14 400, mais je pense que voilà, il n'y a rien, il n'y a pas grand chose à modifier. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de spécifique à aller changer, tu vois. Enfin, là, c'est vraiment la fin de fin. Quand t'as fini comme ça, voilà, ouais. Encore la sushi. Encore la sushi, tu vois, genre. C'était un temps où j'avais pas assez de. J'avais pas assez de poussière en fait. J'avais pas assez de poussière, ça coûte 30 000 l'Awakening. Donc si vous pouvez pas monter vos sushis Awakening, c'est pas grave, vous les montez plus 30, comme ce que j'ai fait dans un premier temps. Et même sans les monter Awakening, vous avez bien vu que j'étais à 14 100. Là, je suis à, ou à 14 200. Là, je suis à 14 440. Donc voilà, au final, ça fait quand même un petit boost de 200-300 FC à aller choper. Voilà, après, c'est que du peaufinage. Peaufinage, peaufinage, peaufinage. Je me connecte sur le Titan et je présume qu'il a aussi une sushi plus 30 à monter Awakening, étant donné que il y a 5 mois de ça. Du coup, bah, je peux le voir, tu vois, progressivement, à force de me connecter sur chaque perso, tu le vois en fait que bah, ça, j'avais pas l'argent. Là, j'ai une pierre d'alchimie qui est Destructive Stone, plus 30. Clairement, je veux pas l'Awakening. Clairement, c'est pas une sushi, je veux pas l'Awakening. C'est de la grosse merde. Enfin, c'est de la grosse merde. Ça donne quand même 75 de FC, mais voilà, je vais pas m'amuser à la monter. Tout simplement. Là, je récupère en plus des petites merdes que j'avais laissées dessus. Hop, on pensait jamais. Voilà, je pense qu'on arrête là-dessus sur les 22 persos et on passe tout de suite au sage. Comme ça, au moins, on avance. Let's go, le sage, enfin! Donc, du coup, dans la vidéo, enfin, tout ce qu'il y avait avant, j'avais pas encore accès au sage. Le sage, je l'ai monté 61, je l'ai full stuff, je l'ai awakening, même stratégie que tous les autres personnages. Il venait à peine de sortir. Voilà, le premier réflexe qu'il faut que vous ayez, c'est de le monter directement comme les autres que je vous ai montré. Bon, par chance, en plus, lui, je lui ai mis des reliques rouges.
Il me restait juste là un peu à finaliser. Donc le totem plus 4, basique, toujours, hein, toujours le petit totem plus 4 pour le respecter. Pour aller plus loin dans la logique, vraiment pour aller plus loin dans la logique. Si vous avez besoin de silver, si vous avez besoin de silver, ou vous avez besoin de faire certaines choses, dont les, je sais pas, les trucs secrets, etc. Je vous conseille de garder vos orbes rouges. Par contre, éventuellement, comme vous avez pu le voir, j'ai monté tous mes totems plus 4. Ça, je ne l'ai pas encore expliqué, parce que du coup, sur mon main, c'est ce que j'ai fait. C'est que de passer tous vos totems, voire plus 5, plus 6 éventuellement. On va rester sur du plus 4, parce qu'il y a quand même 22 persos. Mais surtout, passer tous les totems rouges. Bon, ça, je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Mais voilà, ça peut être la suite de l'évolution. La suite d'évolution, ça serait que bah, du coup, quand vous avez fini de faire ça, ensuite, vous passez par exemple, là, je sais pas si vous avez vu. J'ai mis 3 pièces en tête et 3 pièces en tri. Quand vous avez 3 pièces en tête et 3 pièces en tri, donc 3, 3, 3, 4, vous avez une résonance. Quand vous avez 6 pièces en tri, voilà. Donc là, avec le sage et avec l'évolution de mon main, à la fin de ce up du sage, comme on peut le voir, je suis à 136 587 famille CP. Comme on peut le voir, ça va vous donner de l'XP, 160% d'XP, de l'XP du Black Spirit, Ah, j'arrive plus à parler. Ça va vous donner 1800 LT, 160% d'XP de combat, 16% d'XP d'énergie et surtout le storage slot plus 50. Très très important. Tout ça, c'est extrêmement important. En début de vidéo, je vous ai expliqué pour quelle raison c'était extrêmement important. C'était l'un des principaux trucs à pour quelle raison on monte sa CP de famille. Et bien entendu, tout ce que je vous ai itéré, bien entendu, le désert, les constellations, les tours d'entraînement, quoi d'autre? Le glory, le pog, donc le pass of glory, donc tout ce qui est emblème, etc., etc., etc. Comme vous pouvez le voir, là, le sage, il est 15 380. Mon main, à ce moment précis où le sage il est sorti, il était à 21K. Donc c'est-à-dire que concrètement, progressivement, mes persos qui étaient tous à 14K sont tous passés à 14K 500, 15K. On voit même que du coup, voilà. Les autres persos, tu vois, alors lui il a même pas de sushi quoi, je l'ai pas respecté, tu vois. Mais tu vois, tous mes persos qui étaient à 14K, bon, lui il est toujours à 14K, etc., etc. Et il y a plein de peaufinage à faire. Mais voilà, en grande majorité, qu'est-ce qu'il faut faire pour monter sa CP de famille? Elle, je l'avais un peu délaissée parce que je lui avais pas mis de relique, je m'en rappelle à un moment de la vidéo, et en plus il fallait que je lui montre ses armes 40 et tête. Donc elle, j'avoue, je l'avais pas respectée. Il y a que ce personnage, je l'ai vraiment, vraiment pas respecté. Donc voilà, après on voit qu'il y a des personnages qui sont passés 60, qui étaient 57, etc., etc. Et le principe même de base, par exemple, c'est que j'ai vu qu'il y avait un accessoire rouge sur un personnage qui est pas dans mon top 10, mon top 6, pardon. Je vais aller récupérer l'accessoire et je vais le mettre sur celui-là, qui a deux accessoires orange, etc., etc., etc. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout, parce que c'était long, très long cette vidéo. Pour moi, j'avais 4 heures d'enregistrement. J'ai essayé de la simplifier au maximum. Je l'avais record dans un premier temps. du coup, je m'étais fait strike parce que j'avais mis de la musique. Et du coup, il avait complètement bloqué. Donc d'un autre côté, ce qui est bien, c'est que plutôt que vous tapez 3 heures, bah, vous tapez 1h30 de vidéo au lieu de 3 heures. Mais voilà quoi, c'est pour dire que c'est long, ça prend du temps, c'est du travail, de l'investissement. Et voilà, donc là mon perso principal il est à 22 330. Et tous mes personnages sont montés. J'ai ma FC de famille qui est carrée parce que je suis baron. Et donc voilà, c'est comme ça que vous montez votre FC de famille, tout simplement. C'est pas si compliqué que ça. Si vous n'avez pas d'argent pour les accessoires orange, vous en avez pas beaucoup. Mettez que des accessoires violets, on fait que de loot ça sur la dernière map. Sur les maps Valentia, on loot ça en boucle. Voilà, sur ce, je vous laisse. Mettez-moi un gros pouce bleu. Activez la cloche. Abonnez-vous. Vous connaissez la chanson. Merci encore. C'était Nas. La bise.